OK, maintenant, on commence. Première des choses, j'espère que j'ai tout mis. J'ai fait mon databinding. Première des choses, je fais mon databinding. Hein? Les gars avaient des problèmes sur le databinding. Regardez comment moi je fais. Photo profil, je prends. Hein? Oui. Non. Moi-même. Hein? Ici, je fais du databinding. C'est-à-dire, je lis chaque champ à chaque propriété de mon. Oui. Non. Ici, prénom. Je vais faire comme ça pour tout le monde. On a date de naissance. On a lieu de naissance. Lieu de naissance, on a sexe. Henri, c'est bon? J'espère que tu n'as pas encore pris la cotille. Mais... Comment tu prends la cotisation là comme ça, non? Surtout que moi, je savais que je devais aussi bouffer un peu. Nous sommes à email. Hein? On va prendre le temps de lire tout pour que Ulysse sache maintenant comment on lit. C'est ça, non, Ulysse? Profession est où? Le voici. Hein? On y va sur l'autre pays. Ça non. Alors, quand on fait ça, c'est pour récupérer la valeur affichée, non? Vous avez fait ça marcher? Il faut activer le GLIAN pour prendre la valeur affichée. C'est ça, non, Epson. Ah, tu avais nous, mon beau. Date d'arrivée. Occupation. Vous voyez que quand on va attaquer le mobile, toujours pour l'étude de cas, il y aura des choses qu'on va plus revenir dessus. On peut encore prendre le même métier, on balance de l'autre côté. C'est ça, non? Voilà. Vous avez vu? Ici, bon, on ne modifie pas ce que j'ai dit. C'est ça, non? J'ai dit qu'on ne modifie pas. Vous pouvez modifier si vous le voulez. Vous avez déjà vu comment on fait pour modifier. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout se joue à ce niveau. Hein? Regardez maintenant. Tout se joue à ce niveau.
Je fais un écran vers source. J'ai dit source. Je fais un écran vers source. Je dis quoi? Je dis ID inscript. Monsieur Chencheng est un entier sur 8 octets. Hein? Bon, je peux dire virgule ID local. Maintenant, somme des entiers, je peux dire. Je peux me permettre de le faire. Hein? Oh non, non. Je vous ai dit Windows est très fort. Vous avez vu, non? Il est très fort. Tu causes avec lui comme tu causes. Hein? Voilà. Maintenant, je dis ID inscript égale. J'ai un métier. J'ai un métier. Non, pas entité. Métier. Deux points. Hein? Métier inscript. Deux points. Recensement. Il me prend quoi? Hein? Inscript. C'est ça, non? On sait par défaut, le reste là, c'est faux. Puisqu'on a initialisé. Alors, je dis si. Hein? Soyez donc attentif ici. Si un rut, sois attentif, ceci égale à 0, alors quoi? Hein? Alors, j'affiche mon message d'erreur. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas trop, je n'ai pas utilisé Help pour faire certaines choses. Mais vous pouvez utiliser comme je vous ai appris. Je fais un bip. J'aime bien mon bip. Hein? Un reprise. Je peux faire une reprise sur un champ qui m'enchante. Par exemple, le nom. Oui. Hein? Et je fais un retour. Vous voyez déjà? Je refais. En principe, écran versus, hein, ID local égale GCL métier 2 points, local métier 2 points, ajout local, hein, GCL entité local. Je refais la même chose. Je change juste par le cas, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, le reprise saisie va quand même aller au niveau de, je peux lui dire que va au niveau de pays. Oui. Ville. Voilà. Hein? Maintenant, donc, ici, c'est quoi? On va commenter. C'est ça, non? Le deuxième. C'est bon, non, Ruth? Ok. Bon, si je commande un seul truc, vous allez comprendre le reste. Hein? Oui. En principe, un écran vaisseau se joue tout même. Pour optimiser, je préfère faire ce qu'il faut faire. Le problème de Ulysse est celui de connaître ou de savoir. Il ne comprend pas pourquoi je fais ça. C'est-à-dire, j'ai déclaré les variables, n'est-ce pas?
Et ça, non, Elise. Déclaration des variables. Ta question peut avoir A pour une première fois lieu d'être. Hein? Maintenant, Elise, je vais t'expliquer. Dans ma base de données, dans mon analyse, n'est-ce pas? On a une table de liaison. Hein? Laquelle table fait migrer, enfin, reçoit les clés venant de inscription et localisation. Hein? À cette table liaison, on a ajouté deux trucs, c'est-à-dire la date de recensement et validée de route. Hein? Alors, comment donc faire ceci dans un seul bouton? Hein? Je reviens donc dans mes codes modèles, dans ma classe modèle. Dans ma classe modèle, regarde comment j'écris. Je dis ça et je lui dis qu'il me renvoie un entier et non plus un booléen. Vous comprenez maintenant? Et non plus un booléen. Alors, j'écris tout ce que je peux écrire et je lui dis qu'il me renvoie l'ID. Hein? J'ai fait pareil à localisation. Hein? J'ai tout parlé et je lui dis qu'il me renvoie. C'est tout OK, il me renvoie ça. À ce niveau, c'est bon, non? Voilà. Maintenant, au niveau maintenant de recensement, modèle, lui, il n'a pas de problème. J'ai dit, c'est un booléen. Il me renvoie un booléen. Hein? Parce que je lui ai dit qu'il ne me renvoie rien. Il ne me renvoie rien comment? C'est juste vrai et faux. Donc, si la chose se passe bien, ainsi de suite. Maintenant, donc, quand maintenant, je viens au niveau du modèle inscription, un métier inscription, regardez. Ici, j'ai décidé de ne plus faire des méthodes couteau switch. Non, couteau switch, autant pour moi. Donc, ça dit, une seule méthode imbriquée, beaucoup de sous-méthodes, non. Hein? C'est ce que j'avais dit, non, je pense. OK. Maintenant, tu vois que je fais ça, je renvoie normalement, puisqu'il y a un entier que je dois renvoyer. Donc, je renvoie comme si j'affichais quelque chose. J'ai fait pareil hein, dans localisation. Maintenant, dans recensement, je ne fais plus ça. Je renvoie mon booléen qui est vrai. Le voici. Hein? Tout le monde peut même faire, c'est-à-dire peut écrire ces expressions de renvoi. Hein? Tout le monde peut écrire. On n'est pas obligé d'être cramponné. Quand nous allons faire le web service, c'est comme ça. On va écrire nos propres objets de renvoi. Hein? Maintenant, donc, si tout a été compris, on revient donc ici. Hein? Déclaration de variable. Après, ici, je dis affectation. Hein, Ulysse? J'affecte maintenant ma valeur renvoyée à cette variable. Hein? Maintenant, ici, je fais test de valeur. Donc, test de valeur renvoyée. Hein? Je teste. Si mon ID c'est 0, ça signifie que rien ne s'est passé, ça reste là. Hein? Sinon, il continue. Vu que j'ai commenté le haut, tu veux aussi que je commente aussi ça? Ok, non, c'est vrai, tu as raison, commente ça pour toi. Hein? Ça, c'est afficher l'erreur. Hein? L'erreur que j'affiche ici, j'ai dit erreur info. Tu sais d'où vient ça? Il vient d'ici, modèle. Hein? Ça, c'est l'erreur ce qui va nous afficher. Hein? C'est bon maintenant là. Et c'est cette erreur que je transporte tout le temps. Métier où? Hein? Erreur propage. Hein? C'est cette erreur que je transporte jusqu'à l'appelant. Donc c'est l'appelant qui dit quand il y a
quand il y a une erreur, hein, il va appeler la source de l'erreur pour afficher au niveau de l'utilisateur. Hein? OK. Quand nous sommes sûrs qu'il n'y aura plus de questions de ce genre, on pourra continuer ici. Oui? Ou? Si tu étais avec nous, c'est le helper. Et je vais au niveau du projet. Initiation du projet, je déclare mes instances là-bas. Ça, c'est de l'encapsulation. Je ne veux plus déclarer, c'est-à-dire à chaque fois, au point, parfois ça nous arrive à oublier même. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déclaré. Et quand on fait les enregistrements, il n'y a rien. Ou bien une erreur. Hein? OK, on peut continuer s'il n'y a plus de questions secondaires. Alors, maintenant, ici, c'est quoi? Traitement, par exemple, recensement. Hein? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Ici, donc, je ne peux plus faire écran versus parce qu'il n'y a pas une interface pour le recensement, non? C'est ça, non? Alors, je dis donc, GCL, entité, n'est-ce pas? Deux points. Un recensement, deux points. On a date là-bas dedans. ID, inscript, n'est-ce pas? C'est ça, non, Rue? Voilà. Deux points. Bien sûr que oui. Deux points. Ah non, 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 non. Recensement. Deux points. Local. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, on a rien fait la date. Voilà, validé, je n'ai pas mis. Bon, ça veut dire qu'on peut venir mettre. Il n'y a pas de problème là-bas. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis succès. Hein? C'est vrai, je ne vous ai pas montré ça. On partait directement. Est un booléen. Hein? Égal à GCL. Hein? Métier. Recensement. Hein? Valider recensement, n'est-ce pas? On sait qui va nous prendre ça, ce qu'on vient d'affecter directement là. Hein? Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, si pas succès, n'est-ce pas, non? J'affiche mon message d'erreur. Hein? Alors, maintenant, si tout est OK, hein, j'affiche le message de succès du genre je peux dire quoi? Votre recensement a été pris en compte, hein, et sera traité. Hein? Oui. Oui, oui, je vais corriger. Sans maintenant, peut-être sur le plan vert foncé. c'est où? Ah, recensement, OK. Attends, c'est recensement, ce n'est pas renom. C'est recensement, le recensement. Voilà, le recensement s'est passé avec succès, n'est-ce pas? En principe, comme nous sommes dans un champ fenêtre interne, hein, je n'ai pas besoin de trop me casser la tête pour rien. Hmm? Je fais quoi? Change fenêtre sous ce nom. Hein? C'est ça, non?
J'appelle donc notre fin diplôme Diaspo CFI 1. On a notre fenêtre interne. C'est lui, non? Recensement. Je ferme, non? Et je ferme la fenêtre en cours. C'est lui, c'est fiche. Non? C'est fini. C'est bon, non, Ulysse? Il y a encore une question? Non, il n'y a pas de question. Ça, c'est bien. Quand il n'y a pas de question, je suis content. Voilà. Voilà donc comment donc nous avons donc géré ça. Voilà le code qui est déjà alimenté, qui marche. Hein? Si on le teste. Ah, on a encore oublié autre chose. On a oublié autre chose. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si l'utilisateur n'a rien saisi, c'est-à-dire il n'a pas choisi l'image. Donc, si c'est vide, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, je fais donc selon. Voilà. Hein? Ouais. Maintenant, je dis, si tel est le cas, n'est-ce pas? Je dis im, femme. Les images là ne pèsent même pas. Voilà, merci. Égal à im homme, n'est-ce pas? Sinon, im femme, im photo toujours, égal à im femme. Hein? C'est bon, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, donc, le data binding va récupérer ce que ça peut récupérer. Hein? On peut donc venir ici, là. Hein? On fait ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut rester très élégant, on vient faire ceci, c'est même mieux. Qu'on aille directement inscript. Hein, photo. C'est ça, non, Ruth? C'est mieux comme ça, qu'on aille directement. Hein? Là, il ne sait même pas ce qui se passe derrière. Hein? Tu dis? J'ai dit quoi? Ah. Ouais, vous êtes terrible. Ok. Donc, en fait, même, je devais mettre. Oui, bon, au début, à la fin, c'est la même chose. Bon, ok, on peut tester pour voir. Tester les choses. Est-ce que j'ai même une bonne image ici, là? Je n'ai pas une image de moi ici. Bon, j'ai mis 25. Nello. Non. Est-ce que je cache mon âge? Hey. Je ne cache pas. Je suis fier de dire ce que je suis. Hein? Bon, je suis par défaut masculin, mais je vais d'abord
Ok, maintenant adresse email. Que nous, on ne connaît pas. Soit tu es un homme, soit tu es une femme. Les bisexuels. Oh, non, on ne connaît pas les bisexuels. Comme ça. Hein? Voilà. Bon, profession. Bon, pourquoi on dit profession, on demande le diplôme. C'est toujours au diplôme qu'on... Aïe! Heureusement. C'est bon, non? Suivant. Bon, j'ai choisi mon pays. Ah non, non, c'est pas Afghan, non, 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 tout sauf ça. Je m'en vais quand même dire que je suis en Côte d'Ivoire. Oui. C'est la ville de Cocody. Ah non, non, Cocody. Ah, non, non, je suis là, ça fait déjà quelque chose comme, ouais. Avez-vous un travail là-bas? Oui. Hein? Là-bas, je suis responsable pour informatique Orange. Maintenant, j'ai commencé ça depuis, ça fait un an, net en février, en août, le 29 août. Quand j'ai fini, aïe! Attendez, alors que je confirme d'abord. Un N ne sont pas respectés avec qui? Avec diaspora recensement. Ah, qui ne dérange pas les gens. Hein. Bon. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème, on va les modifier donc. Ah, moi je faisais mon... Ok. Ah oui. Oui. Oh là là. Voilà. Vous voyez que quand on vient dans notre BD d'abord un peu, on voit. Hein? On voit et tout ce qu'il y a là. Si on vient exécuter notre FI, voyons un peu. Notre FI, on va voir. Côte d'Ivoire, Cocody, monter, descendre. Ok. Ah, oh là là. Oh là là. C'est pas grave. Je lui dis. ID est un entier. Ah oui, oui, c'est vrai. Il a raison. Ce 8 bits. Il a raison. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, j'ai mis texte. Donc, il faut que je force la conversion. Arrêtez, oui. Au niveau de la zone répétée. Que voilà.
Ici marche, non? Ça marche, non? Ingénieur et tout et tout. Téléphone, n'est pas mis au téléphone. On a oublié le téléphone. Oui, on n'a même pas mis champ téléphone. Bon, c'est pas grave. Hein? Vous voyez comment c'est beau? Mais bien sûr! Hey! Mais non, 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 non. Vous savez pourquoi ça fait ça? Ouais, moi-même, là, c'est terrible. Attendez. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a ça? Ce que je fais, j'appelle rapidement mes gars. TD, n'est-ce pas? Hein? C'est bon, non, pour tout le monde? Non, 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 non. Ça va toujours bien, Shogun. On revient. À code, je voulais mettre code. Change fenêtre source. CFI. FI, c'est quoi? C'est recensement, non? OK. Je vais maintenant au niveau des stats. Code, merci beaucoup, Mr. Bijanga. Hein? Stats. Hein? Maintenant, voilà. Voilà, maintenant, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous touchez le modèle, il faut toujours mettre à jour tous les champs, toutes les fenêtres reliées à ça. Maintenant, si je viens donc faire, si je viens ici, hein, tu vois que je peux appeler. Hein? Ouais, ouais. Hein? Vous voyez, non? Ouais. Tu vois, table de bord. Hein? Vous voyez, donc c'est ça qu'on a joué, non? Hein? Tout le monde voit comment ça marche, non? Hein? Tout le monde a vu? OK. Il n'est que 16h, donc c'est bon. Dans la prochaine vidéo, ou bien dans la prochaine partie de temps pour moi, on va toucher les petits aspects maintenant. Donc, on va lier tout ça et sera fini avec Windows.